Madame, monsieur, nous voilà arrivés à New Eden. Une barque est à votre disposition. J'ai rêvé de nuages, d'énormes saloperies cotonneuses, juste au-dessus de la mer. J'ai rêvé des abîmes, noirs comme l'enfer, au plus profond de l'océan. Bonjour, mon amour. Bonjour, à toi aussi. On est en Nouvelle-Angleterre. Bienvenue en Amérique. Quelque chose te tracasse? La lettre de Charles. Qu'est-ce qu'elle a? Ce fantôme doit être particulièrement dangereux, sinon il l'aurait banni lui-même. Dans ce cas, on lui fera payer double. Je suis sérieuse. Si le révérend a besoin d'aide, ça ne va pas être facile. Red, tiens-toi prêt. Je ferai attention, maître Duarte. Ton apprenti se tient prêt pour te servir. Allez, Anthea, on doit y aller. Et j'ai besoin de pisser. Roderick MacRace, la galanterie incarnée. La vie appartient aux vivants, et la mort appartient aux morts. Considérez nos amants, Anthea et Red, les plus grands bannisseurs que j'ai connus. La vie appartient aux vivants, dit-on. Et la mort appartient aux morts. Ce n'est pas si simple. Depuis l'aube de l'humanité, les morts s'attardent. Morts comme vivants, nous sommes des êtres complexes et sensibles. Les liens qui nous unissent sont aussi nombreux qu'en mêlés. D'aussi loin que les mémoires s'en souviennent, les bannisseurs se battent pour rompre ces liens. La mort n'est qu'une broutille. Elle nous arrive à tous. Hantée ou être hanté. Telle est la véritable horreur. Moi, Charles Davenport, j'en sais quelque chose. La hantise de New Eden me terrorisait. J'aurais préféré ne pas avoir à supplier mes amis de lever la malédiction. Si c'est ça le mois de juin, je veux pas voir janvier. Si j'avais voulu me les cailler en plein été, je serais resté en Écosse. C'était pas beaucoup mieux à Londres. Regarde, c'est aussi plat que le cul d'un prêtre, et deux fois plus blanc. J'ai pas peur de le dire, je suis très déçu. Charles ne mentait pas. New Eden est aussi froid que la mort. Tu n'as pas fini d'être déçu. Il a intérêt à être à la taverne. Avec un bon grog chaud. Ou deux.
pense que j'en ai marre de ces interminables voyages en mer vers de sinistres terres lointaines. Je ne me souviens même plus de la dernière fois qu'on a fait autre chose que travailler. Après ça, on devrait mettre les voiles. Dans un endroit sans danger. Où il fait bon et où les morts ne reviennent pas. Ça n'existe pas, un endroit pareil. Mais c'est une bonne idée. Je t'ai déjà dit que je trouvais cet endroit sinistre. Tu me l'as déjà dit, oui. Et je suis d'accord avec toi. Je pense qu'on peut passer par là. Bien sûr. Allons nous promener dans cette maison qui risque de s'écrouler à tout moment. Ça m'a l'air assez stable. Antea ? Ici. Continue à avancer. Je te retrouverai plus tard. Ah, ces apprentis et leur excès de zèle. Je pourrais me frayer un chemin ici. Tout va bien en bas ? Juste un esprit errant sournois. Et toi ? Pareil, mais je m'en suis sorti. Est-ce que ces spectres surveillent la route ? Peut-être. Mais est-ce qu'ils empêchent les gens de sortir ou de rentrer ? Thank you.
encore des esprits errants. Derrière toi! Ah, une simple formalité. Je ne saurais dire depuis quand ces types sont morts. Ce sont peut-être les premiers colons. Dans tous les cas, ça n'augure rien de bon. Ces personnes ont quitté New Eden il y a quelques jours à peine. Mais qu'est-ce qui se passe par ici? Ça ne présage rien de bon pour la suite. La situation est pire que tu pensais. Attendons de voir ce que Charles a à dire. Des quais vides dans une colonie en plein développement. Jamais bon signe. Les élus de la ville branlent rien ou quoi? Ce n'est pas ce que font tous les élus. En arrivant en ville, on devrait peut-être se séparer pour gagner du temps. Tu peux compter sur l'élève le plus sérieux qu'une bannisseuse puisse avoir. On verra si tu te souviens de ce que je t'ai appris, si tu t'en sens capable. Mais tout à fait.
Elle est bien calme, cette écurie. Pas de palefreniers, pas de chevaux. Cette ville devient de moins en moins accueillante. Pas de comité d'accueil? Trouvons l'auberge. Trouvons Charles. Je suis contente de revoir Charles et Esther. On va avoir droit au sermon sur le caractère sacré du mariage. Esther n'oserait pas. Et on n'a pas besoin d'un morceau de papier pour rester ensemble. Ouais, je me souviens que tu lui avais dit ça. Bonjour, monsieur. Vous êtes les bannisseurs d'Askel, j'imagine. Antea Duarte. Et voici Red MacRace. Hugh Batchelor, le gouverneur m'a demandé de préparer l'école pour que vous soyez à votre aise. Disons qu'elle... elle n'a plus d'utilité. Ce sera tout. Nous sommes attendus à la taverne. Où se trouve-t-elle? Le King's Arms. Vous ne pouvez pas le rater. Ses lampes sont allumées. L'école est devenue un dortoir et l'église est maintenant froide et sombre. Mais la taverne est toujours illuminée. Eh bien, dans ce cas, on en a de la chance. Où sont les enfants? Plusieurs d'entre eux sont morts de fièvre. Nous voyons le désastre venir. Nous avons pensé devoir tous les enterrer. Nous les avons mis en sécurité. Nous les avons envoyés ailleurs. Ça n'a pas dû être facile. Ça ne doit toujours pas l'être. Non. Oh que non. Au revoir, monsieur Batchelor. Souhaitez-nous bonne chance. Bonne chance, alors. À tous les deux. Vous devez être les bannisseurs. Vous arrivez trop tard. Vous m'excuserez, mais si le pauvre révérend Davenport a mentionné vos noms, je ne m'en souviens pas. Antea Duarte. Et lui, c'est Red MacRace. Bien sûr. Je suis Elizabeth O'Hara. Le révérend a dit que vous auriez des questions. Je vous écoute. Vous pouvez nous indiquer la taverne? Nous sommes attendus. Le King's Arms. Je ne vous indiquerai rien, car je désapprouve la boisson. C'est le grand bâtiment, près de la potence. Qu'est-ce que vous faites ici? La plupart des gens restent cloîtrés chez eux. Puisque vous demandez, je suis venue acheter un remède à Madame Fitcher. Ma sœur souffre de la jambe. Longan soulage sa douleur. Nous avons une petite ferme à quelques kilomètres d'ici. Et non, elle n'est pas épargnée par la malédiction. Merci. Je vous laisse tranquille maintenant. Eh bien, remercions le Seigneur.
Voilà l'auberge. Charlie, tes prières ont été exaucées. On est là, sers-nous à boire. Enfin. Bannisseur, je vous en prie, entrez. Votre servante peut s'asseoir au chaud pendant qu'on parle. C'est elle, la patronne. Moi, je suis là pour aider. Et vous n'êtes pas Charles. Je m'appelle Antea Duarte. Voici mon partenaire, Red McGrace. Bonjour, messieurs, madame. Bon. Où est Charles? Le révérend Davenport nous a dit qu'on allait recevoir de l'aide. J'ai pensé oui, que... continue de t'enfoncer, Fairfax. Bonjour, je suis Pennington, capitaine de la milice. Voici Podur Newsmith. Nous sommes les élus. Ce qu'il en reste. Pourquoi Charles n'est pas là? Toutes nos condoléances. On fera notre possible pour aider sa femme. Le révérend est mort? Quand? Comment? Une terrible tragédie. Notre foi nous aide à avancer, mais on est encore sous le choc. On est tellement choqués par la mort du révérend Davenport qu'on doit rester ici au chaud, à perdre du temps précieux. En tant que gouverneur de la colonie de New Eden, il est de mon devoir de... Regardez-nous, assis là, à attendre de subir le même sort. On pourrait déjà être loin d'ici. Faites donc ce que vous voulez. Moi, j'ai prévu de vivre. Elle peut être brusque, pardonnez-la. Mais ne vous inquiétez pas, ses aptitudes sont bien meilleures que ses manières. Enfin, son manque de manière. Elle a quand même raison, Fairfax. Si on reste là, à rien faire, on est comme des agneaux face à l'abattoir. Les bannisseurs sont là. Je suis sûr qu'avec leur expertise, on a encore une chance. Je vous laisse donc, toi et ton expertise en fantômes et démons, trouver une solution. Mes compétences en sang et en combat ne seront d'aucune utilité. Madame Duarte... Si je peux vous aider de quelque manière, venez donc chez moi. C'est de l'autre côté de la rue. Alors, gouverneur, vous partez ou vous restez? Moi, je reste. Notre colonie a terriblement souffert. Mais elle vaut le coup d'être sauvée. Et maintenant que vous êtes là, c'est ce qu'on doit faire. Je vous présente toutes mes condoléances pour la perte de votre ami. On est vraiment très triste d'avoir perdu notre révérend. Charles Davenport était un homme très érudit et dévoué. Il était la fierté de New Eden. Je suis très troublé par la manière dont on a trouvé son corps dans le cimetière. Et ce qui me bouleverse encore plus, c'est de ne pas pouvoir comprendre ce qui a causé sa mort tragique. Qu'est-ce qui s'est passé selon vous? Mes suppositions seraient peu utiles. Cependant, il est évident que la mort inattendue de Charles est liée à son enquête sur la malédiction. En l'absence du révérend, j'essaie, en toute modestie, de nous protéger des périls auxquels nous faisons face.
Encore et encore. Voyez-vous, dans ma jeunesse, j'étais un démonologue, moi aussi. J'étais plutôt talentueux, pour tout vous dire. Nous ne sommes pas démonologues, et Charles ne l'était pas non plus. Esther, sa veuve, elle accepte les visites. La veuve Davenport est chez elle, et elle ne sort pas beaucoup. Leur maison surplombe les quais. J'avais proposé à Charles une maison avec vue sur une prairie, mais il a refusé. Il préférait la vie de village. Vous pouvez lui parler si elle accepte de vous voir, mais elle ne sait pas plus que nous ce qui est arrivé à son mari. Pourquoi la ville est aussi vide ? Parmi ceux qui ne sont pas morts, peu ont choisi de rester. Nos motivations ne sont pas toutes les mêmes, mais ceux qui sont restés ont fait preuve d'une foi et d'un courage incroyables face à l'adversité. Ceux qui ont quitté la ville, où sont-ils partis ? À Boston, dans des colonies éloignées, n'importe où, partout. Même si les routes doivent être fermées à cause du mauvais temps. Certains pensent que le chemin à travers les bois sombres offre le salut. Ce n'est pas mon cas. Je pense, moi, qu'on doit tenir bon. Ils reviendront si la malédiction est levée. J'espère. Leurs maisons sont ici. Mais les enfants sont partis il y a longtemps et de nombreux parents n'ont pas supporté leur absence. Si on ne résout pas la situation rapidement, la communauté de New Eden sera brisée, peut-être à jamais. Qu'est-ce que vous savez de la malédiction ? Je peux vous dire qu'elle nous rend misérables depuis de longs mois, et qu'elle ne fait qu'empirer, jour après jour. D'abord, ça a commencé par l'épidémie. Puis il y a eu les cauchemars, ensuite la folie, et enfin la mort. Rien que la mort. Mais en toute honnêteté, le plus difficile, c'est le mauvais temps. Cet hiver interminable qui nous accable. Encore pire, il nous emprisonne ici. D'où vient la malédiction, selon vous ? À mon humble avis, c'est évident que les abîmes déversent leurs engeances sur New Eden, déterminés à faire souffrir les pauvres créatures de Dieu. Quant à la nature du démon, c'est pour la découvrir qu'on vous paie. Notre regretté Charles faisait face à une tâche herculéenne et il s'en est acquitté avec honneur. Mais vous devrez faire bien mieux. J'en ai peur. Notre contrat tient toujours. Si vous le voulez bien, oui. Notre contrat tient toujours. Pour Charles. D'accord. Pour Charles. Vous avez dit être un démonologue. En effet. Comme mon père avant moi. Nos deux boussoles, la foi et la science, nous permettent de mieux comprendre les secrets de la luxuriante terre du Seigneur et de ceux qui la menacent. Et qu'est-ce que vos boussoles vous ont dit sur la malédiction ? Elles m'ont dit que le révérend Davenport était le mieux placé pour résoudre notre problème. C'est pour ça que vous êtes ici. Nous étions d'accord. Je défendrai la colonie en tant que première autorité morale. L'aurais-je dit, et Charles et ses bannisseurs lèveront la malédiction. Un travail digne d'un héros. En effet, madame. En effet. C'est ce que nous faisons tous. Car on doit le faire. Oui. On doit le faire. Merci. On a ce qu'il nous faut. Dans ce cas, bonne chance. J'ai demandé à ce qu'une chambre vous soit préparée dans l'ancienne école. Je suis là en cas de besoin.
Merde alors, Charles. Maudite tempête. Si seulement on était arrivé plus tôt. Je sais. Mais, comme dirait Charles, à chaque nouvelle journée, une âme nouvelle à sauver. Ils n'ont aucune idée de ce contre quoi ils se battent. On devrait aller voir Esther. Je crois que le gouverneur a dit que leur maison se trouvait au-dessus des quais. Andrea, Red. Entrez. Je n'ai presque pas dormi de peur que vous ne veniez pas. Je ne sais pas quoi faire. Est-ce que Dieu me pardonnera de vous entraîner dans cette terrible épreuve ? Esther, tu n'es plus toute seule. Nous sommes là. Je suis désolé qu'on ne soit pas arrivé à temps. Vraiment. Je sais. Charles disait toujours, garde la foi, ils viendront. Si seulement lui avait pu garder sa foi. Qu'est-ce qui lui est arrivé? Pauvre Charles, il n'est qu'une victime de plus de la malédiction de New Eden. Vous savez comment il est, comment il était. Agité, impatient. Il n'a jamais cessé de croire en vous, en ses amis. Mais il n'en pouvait plus d'attendre. Je crois qu'il a tenté de lever la malédiction. J'ai moi aussi beaucoup de questions. Mais je n'ai pas de réponse. Et maintenant, je n'ai pas de mari non plus. Comment ça allait avant... avant tout ça? Avant la malédiction? On était occupés, on ne voyait pas passer les journées. Charles s'est investi à corps perdu dans cette communauté. Il prenait part à tout. Les gens lui faisaient confiance. Je suis sûre qu'il se tourne vers quelqu'un d'autre maintenant. Mais ça ne doit pas être pareil. Y a-t-il quelque chose qu'on devrait savoir? Seigneur, délivrez-moi. Je n'en peux plus. Je n'en peux plus. Et Charles ne mérite pas ça. Le moindre détail nous aiderait, Esther. Je t'en supplie. J'ai senti la présence de Charles dans la maison. Son fantôme est ici. Il a besoin d'aide. S'il est ici, je promets que je n'arrêterai pas tant qu'il ne reposera pas en paix. Tu peux compter sur nous. On va commencer par la maison. Les papiers de Charles sont dans son bureau. Prenez ce qu'il vous faut. Merci, Esther. Qu'est-ce que tu peux me dire sur le gouverneur Haskell? Fairfax Haskell est instruit et cultivé, mais il manque parfois de souplesse. Il partage l'intérêt de Charles pour l'inconnu, mais sa passion a l'air moins pragmatique. C'est un intellectuel. Bon, c'est quand même bien de savoir que notre patron comprend notre travail. On a aussi rencontré le capitaine et Podure la chasseuse. Tu les connais? Les manières de Podure Newsmith me font un peu peur, mais je pense qu'elle a un bon fond. Au dire de tous, c'est une excellente chasseuse. Le capitaine Pennington est connu pour être persévérant. Il montre une certaine dignité désabusée, mais je pense qu'au fond, il est tout simplement triste. Charles le pensait aussi.
Il y a des blessures sous l'armure de Saul Pennington que ni Dieu ni le temps n'ont encore soignées, disait-il. On va jeter un coup d'œil dans la maison, si tu veux bien. Comment puis-je vous aider ? Ne t'inquiète pas, on trouvera une solution. Charles est toujours là, et Esther est complètement désemparée. Elle l'a perdu, et maintenant il est de retour, comme un horrible fantôme. Ce doit être insupportable. Tu te souviens quand il a commencé à porter ça, pour paraître plus sage et plus âgé ? Non, il cachait sa calvitie. Cette pièce vient du jeu avec lequel il m'a appris à jouer, j'en suis sûre. Il l'a gardée pour se souvenir de son élève préféré. Ou pour se souvenir qu'il ne m'a pas encore battu. Les notes de Charles mentionnent les versets 13 à 15 du chapitre 7 du livre de Job. Je chercherai ce passage. Red, tu as laissé tomber quelque chose. Je le vois encore en train de fabriquer notre premier anneau de Ban. Tu sembles apprécier bien plus ce moment maintenant qu'à l'époque. Pas assez d'expérience pour affronter une hantise, t'avais dit. C'était le cas. Mais bon... Tu t'en es bien sorti. Sa foi était son phare dans les ténèbres. C'était un homme bon, tant envers les hommes qu'envers Dieu. Ses notes sont confuses et incohérentes. Charles s'inquiétait de la malédiction qui rongeait les rêves des colons. Cette malédiction est vraiment cruelle, pour tourmenter les gens jusque dans leur lit. Tu as assez de livres, Charles ? J'aurais dû me douter que tu serais pas venu sans eux.
Charles portait toujours cette broche. Personne n'a touché à ses affaires. Rien n'a bougé. Esther n'a pas pu assister à son enterrement. C'est terrible. Pauvre femme. Esther n'a jamais pu dire au revoir à Charles. C'est peut-être pour ça qu'il se manifeste. Maintenant qu'on sait pourquoi il est peut-être revenu, on devrait examiner le cimetière où il a été découvert. Esther, désolée de te déranger une fois de plus. Comment je peux aider ? Comment tu te sens, avec tout ce qui s'est passé ? Tout paraît tellement irréel. Un énième cauchemar dont je n'arrive pas à me réveiller. Je comprends ce que tu ressens, et ça changera. Je te le promets. Est-ce que j'aurais dû faire les choses autrement ? Est-ce que j'ai échoué ? Est-ce que j'ai abandonné Charles ? Rien de tout ça n'est ta faute. Je ne veux pas croire qu'il est parti. Il ne peut pas être parti. Je refuse qu'il parte. Tu souffres. C'est peut-être ce qui l'a fait revenir. Il doit être revenu à cause de ta douleur. On fera tout notre possible pour soulager ta souffrance. Et on fera tout ce qu'on peut pour Charles. Est-ce que la malédiction te donne des cauchemars ? Oui. Je fais des cauchemars. Je crois qu'on en fait tous. Charles avait dit que quelque chose rôdait dans nos rêves. Que cette chose nous utilisait. Qu'on devait l'affronter grâce à la force de Dieu. Mais maintenant, Charles n'est plus là. Et mes cauchemars ont changé. Dans mes rêves, je vois mon mari tomber dans l'abîme en criant. Tout le monde l'entend, mais personne ne répond. Il tombe dans la fosse sans fond. Pauvre Charles. Il faut qu'on aille au cimetière. Je t'en supplie, Antea, sois prudente. Thank you.
Tu n'as rien trouvé de mieux? Je n'ai pas le cœur à jouer dernièrement. J'arrive pas à croire que t'aies amené ton piano en Nouvelle-Angleterre. Ça a coûté une fortune. Mais une pianiste a besoin de ses touches adorées. Je ne savais pas qu'Elinor et Charles étaient toujours en contact. La confrérie de Saint-Paul crée des liens. Charles était tellement impatient de continuer ses recherches ici, à New Eden. Si seulement il avait su ce qui nous attendait. Qu'allez-vous faire pour mon Charles ? S'il est présent, on le trouvera. Puis, on lui demandera ce qu'il veut qu'on fasse. Est-ce que je dois le voir aussi ? On va d'abord découvrir ce qui s'est passé. Après ça, on avisera. Ne tardons pas. Le temps pourrait jouer contre nous. Ça va aller? J'en doute, mais je ferai quand même ce que j'ai à faire. On est venu aider Charles, alors c'est ce qu'on va faire. Va interroger les gens pour voir ce qu'ils ont à dire. Je vais aller faire la même chose au cimetière. Sois prudent surtout. Oui, toi aussi. Dégage de mon chemin. Oui. Est-ce que je peux vous déranger encore un instant ? Vous connaissiez Charles Davenport ? Bien sûr que je connaissais le révérend. Ma sœur et moi assistions à tous ses services et nous en étions très reconnaissantes. Il était le fondement moral de la colonie. Sa pauvre femme... Elle doit être abattue. Le gouverneur Haskell nous a parlé de la malédiction. J'aimerais comprendre de quoi il s'agit et d'où elle vient. Je ne dirai pas de mal de mes voisins, mais quelqu'un a laissé entrer le diable. Un nom pourrait aider. Je ne pervertirai pas ma paroisse en commérage.
De toute façon, je n'ai aucun nom à vous donner. Charles, le révérend Davenport, a dit que beaucoup de personnes faisaient de mauvais rêves. Il pensait que c'était la malédiction. Vous êtes décidément très curieuse, madame. Mes rêves, qu'ils soient bons ou mauvais, ne regardent que moi. Et ça ne changera pas. Merci. Je vous laisse tranquille maintenant. Eh bien, remercions le Seigneur. Cet incendie n'a pas pu se déclarer tout seul. Pas dans ce froid. Je vous préviens, je n'ai qu'à crier et on viendra m'aider en un rien de temps. Calmez-vous. Antea Duarte, bannisseuse du révérend Davenport. Oh, bien sûr. Je suis vraiment désolé. Pauvre révérend Davenport. Sa mort nous a tous secoués. Bienvenue à New Eden. J'ai bien peur que vous arriviez au pire moment. Nous sommes bannisseurs. C'est l'endroit rêvé pour nous. Et vous êtes ? Je suis, madame, Squire Sincere Paris, marchand ambulant. Je suis coincé dans ce lieu maudit et j'aimerais vraiment être ailleurs. Parlez-moi un peu de la malédiction. Voici ce que j'ai à dire. Ceux qui osent défier la malédiction sont courageux et insensés. J'en ai bien peur. Bannir, c'est un métier, monsieur. Et pour le faire, j'ai besoin de détails. Alors ? Vous devez avoir des gris-gris, enfin des amulettes de protection, je veux dire. Si vous en avez trop, je me ferai une joie de vous en soulager. Ce dont j'ai besoin maintenant, c'est d'informations sur la malédiction. Vous avez vu quelque chose qui pourrait m'aider ? J'ai vu la famine, la folie, l'ombre de la mort prématurée. J'ai aussi vu des tempêtes, de nombreuses tempêtes. Enfin, j'avais déjà tout vu, mais jamais en même temps. Ici, on a droit à tout, tout le temps, et en même temps. Tout le monde reste chez soi à attendre des ordres, à attendre de mourir, en fait. Des fantômes en devenir, tous autant qu'ils sont. Les cauchemars, vous en faites aussi ? Bien sûr. Tout le monde ne l'avouera pas, mais on fait tous de mauvais rêves. Et vous rêvez de quoi ? Je rêve que quelqu'un me regarde dormir. Parfois, même éveillée, j'ai l'impression qu'elle est là. Elle ne parle pas, ne bouge pas. Elle ne me veut aucun mal. Elle reste là, à me regarder. Elle attend. Elle m'analyse. Est-ce que elle se manifeste à une heure précise ? Si c'est le cas, je n'en ai aucune idée. On ne peut jamais savoir s'il fait jour ou nuit dans cette grisaille quotidienne. Voilà. Je vous ai donné des informations sur la malédiction comme vous m'avez demandé. Et je vous ferai même pas payer.
Vous quittez la ville ? Au plus vite ! Vous êtes arrivé par la mer ? Il y a un bateau dans la baie. Le capitaine nous acceptera peut-être à bord, mes marchandises et moi. L'équipage a refusé d'accoster. Je pense qu'ils partiront à la prochaine marée. Nous avons ramé jusqu'à la côte. Oserais-je vous demander où vous avez laissé votre barque ? Sur la côte, près d'un chemin avec beaucoup de spectres en colère et de cadavres ensanglantés. J'espère pour vous que vos marchandises savent nager. On fait affaire ? La plupart de mes marchandises sont déjà empaquetées. Mais je ne refuse jamais de faire affaire. Bonne journée, Squire Paris. Merci d'avoir pris le temps de me répondre. C'est un plaisir, Madame Duarte. Faites attention à vous. Feu follet ? Si près de la ville ? Où est-ce que tu m'emmènes ? Encore ? Personne n'est en sécurité ici. La plupart de ces gens sont morts au combat. Quelqu'un ne voulait pas d'eux ici. J'ai vu plus de tombes ici que de colons vivants.
Un souvenir persiste ici. Je devrais pouvoir le révéler. De la bougie des rivages avec de la pyrite devrait faire l'affaire pour le rituel. Il m'en faut un peu plus. Il devrait y avoir de la bougie des rivages près de l'eau. Beaucoup sont morts au cours des dernières années. Il devrait y avoir de la bougie des rivages près de l'eau.
Pourquoi tu ne nous as pas attendus, mon ami? Je te jure que je te revaudrai ça. Dans chaque tâche se cache une histoire. Au nom du Seigneur, je vous l'ordonne. Quittez cet endroit! Tu n'as pas d'ordre à me donner, homme de Dieu. Qui êtes-vous, fantôme? Allez, montrez-vous! Ah, puisque tu demandes si poliment, alors... Qui êtes-vous? Je suis tout ce dont tu as toujours eu peur! Hors d'ici! Vous n'avez pas de corps, pas de lien, pas de but! En effet... Mais... toi... Le lien qui retient son fantôme, je peux l'utiliser pour qu'il se manifeste. Retournons à sa tombe alors.
C'est le bon moment pour avoir une petite discussion entre amis. Red et moi, nous venons de trop loin pour ne pas te voir une dernière fois. Ton élève a maintenant dépassé le maître. Si on doit se battre, je te vaincrai. Allez, Charles, rejoins-moi. Je sais que tu es là. Je sais que tu es là. Tu me connais, fantôme. Je veux seulement parler. Esther est inquiète. Oh, père. Enfin. Tu es là. Oh, pauvre Esther. Je suis désolé, mon ami. Je suis désolé pour nous tous. Explique-moi. Qu'est-ce qui se passe ici ? Je suis désolé, ma chère amie. J'ai fait une erreur, et ça m'a coûté la vie. Red est avec toi. Il n'y a pas de temps à perdre. Avant de mourir, tu enquêtais sur la malédiction. Qu'est-ce que tu as appris ? Que notre ennemi est trompeur et sans merci. Que nous ne devrions pas sous-estimer sa puissance. Nous ? Je suis mort, ma chère Antea. Mais je reste un bannisseur. J'ai encore des choses à t'apprendre. Si je te le permets, ce qui n'est pas le cas. Antea, ne fais pas les mêmes erreurs que moi. Si un cauchemar maudit New Eden, tu auras besoin de toute l'aide possible. Sa présence est bien plus forte à l'église. La lumière de Dieu l'a peut-être forcé à se battre. J'ai fait fermer le bâtiment. J'ai réussi à contenir sa haine, mais... il ne restera pas enfermé très longtemps. Comment le cauchemar s'y est-il pris pour te tuer ? J'ai cru qu'en allant au cimetière, il allait se manifester. Au début, ça a fonctionné. En y repensant, je pense que c'était son choix. Il avait l'air de s'amuser. Comme si se mesurer à moi était un jeu pour lui. Il ressemblait à quoi ? Je ne sais pas. Quand il s'est manifesté, il avait pris l'apparence d'Esther. Ma chère Esther, je n'ai pas vu son vrai visage, mais j'ai entendu la voix d'une femme. Ce n'était pas Esther. C'était quelqu'un d'autre. Elle riait. J'ai senti son regard. Mon cœur... c'est gelé. Et je suis mort. L'esprit n'est que pure vengeance. C'est le fantôme de quelqu'un qui a beaucoup souffert. J'ai entendu ta mise en garde. Tu peux partir. Non. Je dois rester. Esther a besoin de ma protection. Mes fidèles aussi. Tu sais que ça ne marche pas comme ça. Tu sais que je t'en empêcherai. Je suis toujours moi-même, Antea. Avec le temps, je deviendrai plus fort. Je peux t'aider. Plus tu en testères, plus tu seras affamé. Tu le sais. La situation est différente. Je suis le révérend Charles Davenport, ton ami, ton mentor. Tu me connais. Tu sais que je suis un homme bon. Je te connaissais. Tu étais un homme bon. Et maintenant, tu es un fantôme, et je ne peux pas cautionner ça. Mais je te le promets, Red et moi allons bientôt mettre un terme à ce cauchemar. Charles Davenport était un homme bien et un excellent mentor. Et toi, une élève extraordinaire, quoique rebelle. Je n'ai jamais su te faire changer. Est-ce que la vie a adouci ton caractère depuis ? Au contraire, elle l'a endurci.
La façon dont tu es mort t'a fait devenir ce contre quoi tu t'es toujours opposé. Au revoir, Charles. Que ton âme repose en paix. Que ton souvenir... Attends. Attendre quoi? Nous sommes bannisseurs. La mort appartient aux morts. Laissons Esther décider. Seigneur, je t'en supplie, ne me demande pas ça. Esther, ma femme, la meilleure des femmes. Tu me manques tellement. Oh mon Dieu, Charles, pourquoi es-tu là? Pourquoi es-tu revenu? Tu dois partir, je t'en supplie. Je dois rester, je dois te protéger. La créature dans l'église se nourrit de nos tourments. J'aurais dû le savoir. Maintenant, je le sais. Antea, donne à Charlie l'ascension qu'il mérite. Charles Davenport, tu n'as aucune raison de rester. Pars. Laisse Esther faire son deuil en paix. Sauvez-la, mes amis. Et sauvez-vous. Sauvez-les tous. Je vais raccompagner Esther. Je m'en occupe. On parlera entre femmes. Ah. Dans ce cas, je vais à l'école. Pour préparer le lit. Charles est en paix maintenant. Antea lui a donné les soins dont il avait besoin. Charles, où penses-tu qu'il est à présent? Il est... Je ne sais pas. La chaleur de ses mains me manque. Sa présence calme dans notre maison. Si je ferme les yeux, je peux le voir. Là où il se trouve, le soleil chasse la neige. Il fait chaud et il y a du lait frais. Les draps sont propres, repassés, pliés. Il n'aura plus jamais de problème. Tu as raison. Il est en paix. Et tu mérites de te reposer. Je suis navrée. Il va me manquer. Terriblement. Demain, nous continuerons à enquêter sur la malédiction. Bonne nuit, Esther. Je suis contente que vous soyez là, tous les deux. Nous avons besoin de vous. Oui. Est-ce que je peux vous déranger encore un instant? Êtes-vous allé à l'église récemment?
Le révérend Davenport l'a fermé. Ce n'est pas grave. Dieu n'a besoin que du cœur de ses serviteurs. C'est tout. Il n'y a rien de plus à en dire. Merci. Je vous laisse tranquille maintenant. Eh bien, remercions le Seigneur. Bonjour, madame. Je m'appelle Antea Duarte. Je peux vous demander votre nom ? Duarte. Duarte, vous êtes avec le bannisseur, non ? Je suis la bannisseuse. Je vois. Donc c'est vous, notre espoir ? C'est vous que je paye avec mes dîmes ? Laissez-moi vous regarder. Je vois. Bon. Bathsheba Ingersoll. Enfin, si mes souvenirs sont bons. Qu'est-ce que vous savez de la malédiction ? Askel ne vous l'a pas dit ? On gèle. Et en même temps, on pourrit. Le révérend Davenport a dit qu'il avait fait venir la meilleure bannisseuse. Vous pouvez mettre fin à la malédiction ? D'après mon expérience, la plupart des malédictions sont en fait des fantômes. Et même s'ils sont dangereux, ils ne sont pas invincibles. Bon, j'aimerais vous dire que ça me rassure, mais c'est malheureusement pas le cas. La question peut vous paraître bizarre, mais est-ce que la malédiction vous fait faire des cauchemars ? Dès que je ferme les yeux, oui. Je suis dans le magasin. Des pièces tombent du plafond. Quand elles touchent le sol, elles se cassent. Comme des dents pourries. Ou des os de poulet. Puis ça devient une pluie torrentielle. Une cascade qui s'abat sur le magasin. Je veux fuir, mais l'inondation me rattrape. Je me noie dans des éclats d'eau. Voilà. Vous êtes contente ? Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur l'église de la ville ? Le révérend l'a fermée. Il a dit que c'était dangereux. Vous imaginez ? Vénérer Dieu est dangereux maintenant. Quand l'a-t-il fermée ? Et pourquoi ? Difficile de dire quand. Les jours sont tellement longs et fades que j'ai perdu le fil du temps. Parlez-moi de votre boutique. Pourquoi ? Vous voulez acheter quelque chose ? De la porcelaine ? Une robe en lin ? C'est à peu près tout ce qui nous reste. Il y a très peu de demandes pour ce qui est de bonne qualité, c'est surprenant. Par contre, on n'a presque plus de produits de base. J'aurais dû partir quand je le pouvais. Je suis sûrement optimiste, au fond. Ce qui fait de moi une idiote. Bonne journée à vous, madame. Vous êtes une optimiste aussi, alors ? Ça fait deux idiotes. Oui ? Vous saviez que d'après le révérend Davenport, l'église était hantée ? Oui, à sa plus grande honte, notre regretté révérend a arrêté ses services et a fermé l'église. Ce qui nous arrive n'a rien d'une surprise. Et vous pensez qu'il y a quoi dans l'église ? Mademoiselle, si le diable se trouve dans notre église, alors nous, peuple de New Eden, avons échoué à répudier son œuvre. C'est évident. Est-ce que vous faites des cauchemars, Monsieur Batchelor ? Vous ne voulez pas que je vous les raconte. Dites toujours ? Dans mes rêves, des démons chantent et profanent notre précieuse église, puis la réduisent en cendres. Deux pauvres âmes y sont piégées. Un homme et une femme qui hurlent des serments et des malédictions dans d'étranges langues. Je me réveille en sursaut et cours à la fenêtre, soulagé de voir que l'église tient toujours debout.
Parlez-moi un peu de la malédiction. Dieu scrute attentivement New Eden. De meilleurs jours nous attendent, à condition que ses serviteurs restent humbles et fidèles. Est-ce que je sens une pointe de mépris, Monsieur Batchelor ? Je m'attendais à un accueil plus chaleureux. Oh, je ne doute pas de votre honnêteté, ni de votre volonté de combattre le diable. Mais nous avons prié pour le salut. Et, madame, sans vouloir vous offenser, vous n'êtes pas un ange. Au revoir, Monsieur Batchelor. Souhaitez-nous bonne chance. Je ne vous souhaiterai pas bonne chance. Je vous souhaite de trouver le salut. On a fait ce qu'il fallait. Charles était notre ami. Je t'aime, Red MacRaes. Mais en matière de fantômes, ton cœur te rend imprudent. C'est dangereux. Tu étais vraiment sur le point de bannir Charles. Ce n'était pas Charles, mais le fantôme de Charles. Charles Davenport, notre plus vieil ami, l'homme qui nous a rapprochés. Notre ami est mort. Son fantôme était un danger pour sa femme. Les fantômes n'apportent que le malheur, Red. Ne t'y trompe pas. Ils volent l'essence de la vie aux vivants. Oui. Mais ils ne le font pas toujours par malveillance. Tu le sais.
On est bannisseurs. On met fin aux souffrances des vivants. Et on apporte la résolution aux morts. Un fantôme peut souffrir aussi. L'ascension y met fin de manière plus douce. Plus douce, mais pas plus sûre. Mieux vaut bannir pour de bon. Tu me bannirais, si ça devait arriver. Tu ne m'échapperas pas si facilement. Toi, je te ramènerai d'entre les morts. C'est pas drôle. Je te gaverai d'essence fraîche. Je te donnerai tellement d'essence que tu reviendrais gonflé de vie. Voler de l'essence aux vivants pour me nourrir, tu ferais jamais ça. Si, et je te tuerai à nouveau pour être mort avant moi. Parfois tu me fais peur. Je sais. Tu crois que Charles avait raison? Que ce truc dans l'église pourrait être un... Comment il appelait ça, un cauchemar? J'espère bien que non. Ces entités sont des fantômes légendaires, même pour les bannisseurs. On verra demain. En attendant, va dormir. La journée a été éprouvante. Pauvre Charles. Pauvre Esther. Pauvre Esther. Antea. Elle a pris son bout de feu. Elle dit que c'est moi l'imprudent du groupe. Où es-tu? Tu n'es quand même pas dans l'église, j'espère. Qui est là? Antea? C'est ouvert. Antea! Ah, j'imagine que vous n'avez pas vu Antea, hein, les spectres? Thank you.
souris aveugle. Voyez comme elle court, voyez comme elle court. Court, court, raide, court, court. Trois souris aveugles, voyez comme elle court. Voyez comme elle. Anthea ? Aveugle, toute aveugle. Oh, Red, tu ne comprends pas. On n'avait aucune chance. Anthea ? Tu es blessée ? Tu es où ? Je suis ici, mon amour. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis ici, mon amour. Comme c'est pathétique. Montre-toi ! Dieu a paru à l'homme dans un songe et lui dit : voici, tu es mort. Mais l'homme n'avait rien fait de mal et répondit : Seigneur, ferez-vous donc aussi mourir les justes ? N'aie pas peur. Je suis là pour t'aider. Il n'y a pas d'aide. Il n'y a que l'abandon. Où est Anthea ? Qu'est-ce que tu lui as fait ? Par les baloches de Satan, si tu lui as fait du mal ! Tu es un imbécile pour t'accrocher à l'amour. L'amour n'existe pas. S'il existe, la seule. Non. Anthea ! L'océan glacé a façonné un diamant de son chagrin avant de l'enfouir en son cœur. Le poids de son échec l'a entraîné vers le fond. Hors du temps, noyé dans l'obscurité, il prononça son nom. Prenez-moi à sa place, hurla-t-il dans le silence assourdissant des eaux froides et paisibles. Par-delà le voile noir de la mort, quelque chose entendit ses cris.
et s'approcha de lui. Laisse-la partir. Prends-moi sa place. Laisse-la partir. Ah, tu es réveillée. Qui es-tu ? Celle qui t'a sauvée. Qui t'a soignée pendant des jours. Des semaines, peut-être. Des semaines ? Oh mon Dieu. Qu'est-ce que j'ai fait ? Reprends des forces avant de culpabiliser. Elle est morte. Oui. C'est pour ça que tu es ici. Et c'est pour ça qu'on m'a envoyé veiller sur toi. Qui es-tu ? J'ai l'impression qu'on s'est déjà rencontrés. Pourtant, je sais que non. Mais c'est comme si je te connaissais depuis toujours. Pourquoi ? Tu es confus, c'est normal. Tu as failli te faire tuer par un cauchemar, tu as perdu ta moitié, et maintenant, tu as une sorcière à ton chevet. Une sorcière ? Oui. Je m'appelle Chercheuse. Trouve le bannisseur, m'a dit ma maîtresse. Veille sur lui et réponds à ses questions avant de le laisser. Ah. Comment tu te sens ? Quelle importance ! Bien sûr que ça compte. Ça veut dire que tu es en vie et que tu n'as pas baissé les bras. Ce cauchemar. Sa façon de parler. Sa façon de transpercer. Je n'avais jamais rien vu de tel. Il est rare de le voir. Et encore plus d'y survivre. Qu'est-ce qui a attiré un esprit si puissant ici ? Qui sait ? Quelque chose d'horrible, sans aucun doute. Les pires colères naissent des torts les plus terribles. Ce sont les mots d'un ami. Il voulait nous mettre en garde. Une loi immuable. Tu as des amis avisés. Qui t'envoie ? Elle s'appelle Ciridian. Et mes mains, comme mes mots, lui sont entièrement dévouées. Voilà. Ne cherche pas plus loin. Tu aurais dû me laisser mourir. Arrête de faire l'enfant. On apprend à chouiner à l'école des bannisseurs, maintenant ? Qu'est-ce que je vais faire, maintenant ? Comment ? Comment je vais m'en sortir, tout seul ? Tu n'es pas seul. Garde la foi. Si Ciridian m'en avait dit plus, je te le dirais. Mais tu dois garder la foi. Ce n'est pas ce que je voulais. Pas comme ça. Pas sans elle. On n'a jamais ce qu'on veut. On a ce qui vient. Et si on survit, ça nous change à jamais. Il y a un vide en toi. Un puits béant et grimaçant. C'est de l'amour, voilà ce que c'est. Ce vide ne se remplira pas, parce que l'amour ne meurt pas. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ? Je t'explique. Contrairement à la plupart des gens, tu as une deuxième chance. Tu devrais la saisir. Pourquoi m'avoir sorti de l'eau ? Qu'est-ce que tu me veux ? Moi, je ne te veux rien. Mais ma maîtresse, si. Ciridian dit que la barrière entre les vivants et les morts est menacée. Tu as un rôle à jouer, semble-t-il. Voilà le mien. Je ne comprends pas. Peu importe. Je t'ai trouvé.
mais ton chagrin aussi. Et il faut que tu le ressentes. Tu crois en avoir fini avec tes fantômes, Red MacRae, mais ils n'en ont pas fini avec toi. Je vais y aller. Repose-toi. Si ma maîtresse t'a sauvée, c'est qu'elle avait de bonnes raisons. Les meilleures. Où vas-tu ? Je repars auprès de Ceridian. Elle a besoin de moi. Où est-ce que je peux te trouver, si j'ai besoin de toi ? Au Marais Bourbeux, d'immenses marécages de l'autre côté des bois. Tu ne peux pas les rater. On saura quand tu viendras. Alors, à bientôt. Tout juste, bannisseur. Maintenant, retourne-toi. Quoi ? Je m'en vais. Je sais pas ce que c'est, mais je préfère pas m'en approcher. Où suis-je ? Qu'est-ce que je fais ici ?
mon Dieu, c'est pas le moment. Laisse-moi te toucher, sale clébard! Tu vas dégager, oui? Qu'est-ce que je suis en train de faire, là? Dernier être vivant par ici. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe? Quoi? Anthea?
Où est-ce que je suis? Si froid. Si froid. Eh oh! Antea! Oh mon Dieu. J'y crois pas. C'est pas possible. Antea! Appelle-moi! Où suis-je? Où suis-je? Mon amour, je suis désolé. Je suis désolé! Je suis là! Guide-moi jusqu'à toi! C'est froid. Théa, tu es là? C'est froid. Oh non. Oh non. C'est froid. Oh non. Oh non. J'arrive, mon amour. J'arrive. Te voilà. Je te tiens. Tu me tiens. Viens. Non, n'y va pas. Je suis là. Suis-moi. Où vas-tu? Par là-bas. Je suis avec toi. Je suis ici. Où es-tu? Tu as l'air faible. Tu as besoin de...
de repos. Je me sens vide. Ne t'inquiète pas. Comment ne pas m'inquiéter ? T'avoir perdu. Et te retrouver ainsi. Et tu es affamé. On peut dire ça. Oui. Que puis-je faire ? La Bible de Charles. Le lien qui retenait son fantôme. Il y a encore des résidus d'essence dessus. Pour l'instant, ça suffira. Regarde-nous. Je sais. Ne t'y trompe pas. Je suis content de te voir. Que tu sois revenu. Vraiment. Les vivants ne devraient pas se mêler aux morts. Je le sais depuis l'enfance. Je l'ai appris à la dure. Tu ne me l'avais jamais dit. Raconte. C'était il y a une éternité. Pour l'instant, ça n'a pas d'importance. Comment tu te sens ? Mal. Tu pourrais développer ? En colère, frustré, inutile. On devrait parler de ce qui s'est passé. Après l'église, je veux dire. Quoi tu te souviens, après ta mort ? Je me souviens de la soudaineté de ma mort. Je me souviens que de ça. Après ça, le vide, l'intemporalité, l'égarement. Et là, je t'ai entendu. Tu as prononcé mon nom. J'ai cherché à revenir. Je me suis réveillé dans une grotte. Une jeune femme du nom de Chercheuse m'avait secouru. Elle se vantait d'être l'apprentie d'une sorcière. Sa maîtresse l'avait envoyée prendre soin de moi. Les sorcières se montrent rarement. C'est étrange que l'une d'elles nous vienne en aide. Je crois qu'on devrait retourner à New Eden. Je suis d'accord. Pour me délivrer, je crois qu'on doit récupérer mon corps. Je refuse d'être ainsi. Je ne le supporterai pas. Je suis désolé, mon amour. Qu'est-ce que je peux faire pour t'aider ? Je suis un fantôme. Tu es un bannisseur. Je ne te bannirai pas. C'est impossible. Antea, je t'ai vu mourir. Ne me demande pas ça. Si c'est ce que je voulais, tu n'aurais pas le choix. Mais c'est pas ce que tu veux, c'est ça ? Pas avant d'avoir eu ma revanche. Pas avant de voir le cauchemar vaincu. Par toi et moi, ensemble. Je pourrais te donner ton ascension. Ce serait la solution la plus simple, mais pas la plus facile. Pourquoi ? Mon corps est mon lien, et le cauchemar le possède toujours. Dans l'église, avant qu'elle me lâche, j'aurais juré qu'elle me défiait de revenir. Elle est aussi sournoise que puissante. Elle ne cédera pas comme ça.
Dans l'école, tu as parlé de résurrection, en plaisantant. C'est possible ? Oui. Le rituel de palingénésie mineure, il est extrêmement complexe et extrêmement dangereux. Je pourrais essayer, pas vrai ? Si tu me l'enseignes, je peux te faire revenir. Red, c'est un ancien rituel. Il exige du pouvoir. Il consomme de l'essence, beaucoup d'essence. On parle de sacrifice humain, de meurtre. Peut-être, oui, mais... on pourrait pas l'envisager, au moins. Je veux dire, si elle a la moindre chance de te ramener, je la saisis. C'est un rituel obscur, Red. C'est tentant, et c'est dangereux. M'imaginer à nouveau dans tes bras, ça me tente aussi. Alors qu'est-ce qu'on doit faire ? Si on doit retourner à New Eden, on doit d'abord en apprendre plus sur notre ennemi. Charles a dit que les cauchemars n'apparaissaient pas sans raison valable. Oui. On a un mystère à résoudre. Des sorcières à rencontrer. Des personnes à trouver et des questions à poser. Et après, tu m'aideras à partir. D'une façon ou d'une autre. Oui. Je te le promets, mon amour. Repose-toi. Tu en as besoin. Je vais rester là.
En route pour New Eden, quel que soit le chemin. Il va nous falloir des provisions et de l'argent. On s'en sortira. Ensemble. Qu'est-ce qui a bien pu arriver ici ? Quand on joue avec des cercles de sel, il vaut mieux être sûr de soi. Je ne vois pas de corps. Peut-être que les loups les ont pris. Tu ne vois pas les symboles sur le mur ? Non. Prends ma main. Je veux essayer quelque chose. Ce sont nos anneaux de banc qui font ça. Ils nous aident à communiquer avec l'invisible et l'incarné. C'est comme si je m'appropriais ce que je vois à travers ce lien. Ces toiles sont faites de traces spectrales. Laisse-moi voir. Il y a tant de choses qu'on a dû manquer pendant toutes ces années. Les morts se cachent davantage des vivants qu'on ne le pensait. Voilà qui sera bien utile.
c'est moi ou... Je l'ai senti aussi. En Rome, non. Tiens, prends ça. On peut les combattre ensemble. Servi à grand chose. Mais si, je t'assure. Et tu iras mieux. Tout ira mieux. Ils finissent toujours par fricoter avec la magie noire. Toujours.
Ce spectre se dirige vers le cadavre. Se dirige vers ce cadavre. Qu'est-ce qui a pu se passer ici pour que le voile soit si fin? La guerre, l'invasion, ou la colonisation sur des terres vulnérables aux hantises? J'aime bien le lapin, mais ceux-là me font pas saliver. C'est pourquoi les loups ne les ont pas mangés. J'aime bien le lapin, mais ceux-là me font pas saliver. C'est pourquoi les loups ne les ont pas mangés. Du matériel de chasse. Peut-être que nos trappeurs sont encore dans le coin. Oh, t'as fait vite pour grimper jusqu'ici. Ça ne sera pas facile de s'y habituer. Pour toi comme pour moi. Anthea, est-ce que les gens sauront que je suis hanté? Peut-être, pour peu qu'ils aient du talent ou de l'entraînement. Et si quelqu'un te voit? C'est peu probable. S'ils avaient du talent ou de l'entraînement, ils ne feraient pas appel à des bannisseurs comme nous. Je me demande ce qui est arrivé aux trappeurs ici. Les bois sont envahis de spectres. Espérons qu'il soit parti.
Ces sorcières dont tu as parlé doivent savoir quelque chose à propos du cauchemar. Ouais, mais est-ce qu'on peut leur faire confiance? Les sorcières ne s'impliquent auprès des gens que si elles y sont obligées. Les tiennes doivent avoir une bonne raison. Je crois que j'aperçois un passage, là-bas. Des signes de civilisation. Quelle chance. Bel endroit. Si on oublie les loups et les spectres. Il n'y a ni loups ni spectres dans les Highlands ? Si, mais ils ont la politesse de me laisser reprendre mon souffle entre les combats. Mauvaise nouvelle. Le pont est cassé. Il n'y a plus qu'à trouver un autre chemin pour New Eden. Étrange. Je vois des traces, mais elles ne sont pas comme d'habitude. Elles suivent la même structure. Tu ne vois pas. Elles m'appellent. Par ici. Tu peux descendre. Et ça continue. Ces traces. Je pourrais les atteindre si j'étais plus forte. J'ai du mal à garder les idées claires. La faim me tiraille de nouveau et elle ne fait qu'empirer. Déjà ? Bon, alors on va te trouver de quoi te nourrir. Fais appel à moi. Ils se nourrissent de leur propre rage. Tu veux. Suffit. J'attends ton signal. Pas bouger.
Attention, je ne plaisante plus là. Il y a quelqu'un à l'intérieur. Une personne corrompue. Ben, te revoilà. Oh, pardon. Je vous avais pris pour quelqu'un d'autre. Vous avez faim, l'ami ? Le potage n'est pas bien épais, mais il y en a assez pour deux. C'est très gentil de proposer. Mais ça ira, merci. Voilà bien longtemps que je n'avais croisé personne. Vous venez du camp ? Vous êtes chasseur ? En quelque sorte. Red MacRae. Je suis bannisseur. Comme dans les histoires ? Jacob Lind. Je suis trappeur. C'est un vrai travail. Qui est Ben ? Un autre trappeur ? Oui, c'est le meilleur des trappeurs. Il m'a tout appris. Il est sorti, mais il va revenir. Où est-il parti ? Le pont est cassé. Pour sûr, il est complètement cassé. On ne passe plus. Il y a des horreurs dans les ténèbres, des horreurs qui flairent la chair. Le gibier se fait rare, et Ben est parti. Il finira bien par en trouver, j'en suis sûr.
Qu'est-ce qui se cache dans l'ombre? C'est ce qui vous retient ici? Ça. Et le brouillard. Impossible de chasser quand on ne voit rien. Ben tire mieux que moi. Il connaît aussi mieux la forêt que moi. Je le ralentirai. Je le ralentirai. Où avez-vous rencontré Ben? On s'est trouvés. Deux âmes sœurs, comme il disait. Il était bon envers moi. Trop bon. Pourquoi? Il est important pour vous. Oui. Et c'est réciproque? Il perd son sang-froid. Ou un fantôme le lui a pris. Pourquoi choisir cet endroit? Vous n'aviez pas d'abri plus sûr? La forêt est sûre pour ceux qui la connaissent. On y chasse. Et quand on a des peaux et de la viande, on va les vendre à New Eden. Mais le gibier se fait rare. On n'a rien à vendre. Alors on attend. Quand même les loups meurent de faim, on sait que l'hiver va être rude. Depuis combien de temps vous êtes seul ici? J'en sais rien. J'ai perdu le fil. Et je ne suis pas seul. Dieu est avec moi dans les Saintes Écritures. Vous voulez que je vous lise un passage? Une autre fois, peut-être. Vous êtes épuisé. Pas étonnant quand on voit à quel point la forêt est corrompue. Vous arrivez à dormir? Je n'aime pas dormir. Je vois des choses. Des yeux luisants entre les feuilles. Ça veut dire quoi, corrompu? Marqué par des fantômes. Hanté. Parlez-moi de vos cauchemars. Mon cauchemar, c'est toujours le même, toujours. Pour Ben aussi. Vous pouvez m'en dire plus? Non. Non. C'est un cauchemar. Rien de plus. Reposez-vous, Jacob. Vous en avez besoin. Si vous voyez Ben, dites-lui que je pense à lui. C'est un grand type, même allongé. Vous ne pourrez pas le manquer. Pauvre garçon. Il est complètement enveloppé de traces spectrales. Vous dormez ici, Jacob? Ben dort ici. Moi, je ne dors pas. Le lit crouille d'asticots. Vous dormez ici, Jacob? Ben dort ici. Moi, je ne dors pas. Le lit crouille d'asticots. Votre viande est en train de tourner, l'ami. La nourriture est rare. On fait avec ce qu'on a. Quoi que ce soit qui le hante, ça génère des asticots. On ferait bien d'aller voir ce fameux Ben. Ce sont les affaires de Ben? Pour la plupart. Sauf la corde. Vous pouvez la prendre, si vous voulez. C'est bien aimable. Merci. Ben est parti sans armes. Nous sommes des trappeurs, pas des chasseurs.
On avait une arme pour nous protéger, mais elle a pris l'eau. Il est tellement perdu qu'il ne doit même pas savoir en quelle année on est. Que lui est-il arrivé ? Il a peut-être toujours été seul. Peut-être que Ben est dans sa tête. Des brouillards mouvants, produits par un fantôme après une mort brutale. Règle numéro 8 des bannisseurs. Gare aux brouillards mouvants où t'auras affaire aux revenants. C'est juste. Mais on n'a pas tellement le choix. Soit Ben s'est perdu dans le brouillard, soit il en est à l'origine. Tu devrais pouvoir descendre par là. Rien de plus exaltant qu'une plongée dans l'inconnu. C'est à peine si je vois mes mains ici. Ne t'inquiète pas, tes autres sens aussi vont être affectés. Oh, attends ! Hein ? C'est mieux. Et un peu terrifiant. Je peux te montrer la voie. Je dis ça, je dis rien. Qu'est-ce qui rôde ici ? Au travail, bannisseur. Tu as vu ça? On dirait que le brouillard provient de ces étranges stalagmites. Attends, je crois que je sais comment dissiper les brouillards mouvants. Comment? C'est en partie de ça que je suis faite, alors. Bouge-toi, allez! Désolée, je ne pensais pas que ça aurait cet effet. On s'en est bien sorti. Essayons de voir d'où ça venait. De voir qui est mort, tu veux dire?
Des traces de lutte. Il y a un écho qui traîne ici. Reunius fatas terchimi. Je n'en peux plus. Je ne peux plus continuer comme ça. Debout, Lind. On n'abandonne pas. Non, j'en ai assez. On ne peut pas remonter ni descendre. Ça fait des jours qu'on ne mange plus que des bouts de chaussures bouillies. J'en ai marre. On n'abandonne pas. Allez. Laisse-moi tranquille. Bordel, j'en ai marre de te porter un bout de bras. Qu'est-ce que tu fais? Ne me frappe pas. Je te hais. Je te hais! Non! Ben est mort dans la chute. Et son fantôme plein d'asticots est de retour pour hanter l'ami qui l'a poussé. Il faut qu'on trouve le corps, en espérant que les loups ne soient pas arrivés avant. Oh non, d'une merde! Bon sang. Il s'est fait déchiqueter. Non, il a été découpé avec un couteau. Pour sa viande. Toujours pas de lien. Dans le taudis de Jacob, peut-être? Jacob mangeait de la viande. Jacob mangeait Ben. Est-ce qu'il avait vraiment faim au point de manger son ami? C'est peut-être à cause du cauchemar. Thank you.
Tu crois faire le poids face à un fantôme ? C'est terminé. Il va falloir faire attention. Je peux t'aider. On est assez. Tu peux participer aussi ? Il va falloir faire attention. Je peux t'aider. Cherchons notre lien tant que Jacob est dehors. Je crois que j'ai trouvé le lien. Comment j'ai pu passer à côté ? Avec toutes les traces spectrales, c'est un miracle qu'on l'ait trouvé. Viens, allons voir Ben. Je vais forcer le fantôme à se manifester, avec le bon rituel. Vous n'êtes pas Jacob. Qui êtes-vous ? Je m'appelle Red MacRice. Un Écossais. Et vous ? Antea Duarte. Nous sommes bannisseurs. Nous pouvons vous aider. Personne ne peut m'aider. Où est Jacob ? Depuis combien de temps Jacob et vous viviez ensemble dans la forêt ? Plusieurs hivers maintenant. Mais celui-ci, il est interminable. Impossible d'y échapper.
on était livrés à nous-mêmes. Pas un seul animal à chasser. Je ne sais pas quand tout a basculé. On s'est retrouvés piégés. Cette putain de forêt. Vous avez souvent essayé de quitter cet endroit. Oui. On a essayé, mais sans succès. Des semaines et des semaines, ou plutôt des mois et des mois, on tournait en rond. La forêt est diabolique, sournoise, pernicieuse. On a tourné encore et encore, jusqu'à finalement revenir sur nos pas. Jacob nous a dit que vous faisiez tous les deux des cauchemars. Le même cauchemar. Oui, sans jamais nous reposer. Incapable de distinguer la réalité du rêve. Du coin de l'œil, on pouvait voir les ombres danser. Nous savons ce qui vous est arrivé, Bénédicte. Qu'est-ce qui vous retient ici? Lui, il m'attend. Il passe son temps à m'attendre. Il refuse de se confronter à ce qu'il a fait, et je ne peux pas partir. Je suis coincé. Mais je ne lui en veux pas. Comment le pourrais-je? Nous pensions qu'il avait perdu la tête. Qui saurait la garder? Coincé dans un tel endroit pendant des semaines, privé de tout, privé même d'une vie. Je refusais de le voir, mais c'était évident. J'étais devenu méfiant. Au fond de moi, je savais ce qu'il pensait. Parce que j'y pensais moi aussi. Que voulez-vous à Jacob? Vous voulez vous venger? Je n'ai aucun désir de vengeance. Lui et moi, nous ne faisons qu'un. Pourquoi ne pas l'avoir confronté? Pourquoi ne pas vous montrer? J'ai essayé. Il a cru que j'étais vivant. Et m'a montré de la viande qu'il avait récupérée. Il était si fier de lui. Il m'en a même offert un peu. Il doit affronter la vérité. Accepter ce qu'il nous a fait, à tous les deux. La nuit, il lisait les Saintes Écritures. C'est lui qui m'a appris que Dieu s'occuperait de nous si on était bon et honnête. Et on l'était. Bon et honnête. On faisait pas de vagues. On s'occupait de nos affaires, on n'embêtait personne. Alors dites-moi, bannisseur, qu'est-ce qu'on a fait pour mériter ça? Je suis désolé. Le désespoir peut pousser le meilleur des hommes aux pires horreurs. Dieu ne nous inflige des épreuves que parce qu'il sait que nous pourrons les surmonter. Merci, Bénédicte. On se reverra peut-être. C'est possible, bannisseur. C'est possible. Jacob doit avouer. Il est bloqué dans le déni. Il devait vraiment beaucoup aimer Ben. Pauvre gars. J'en connais un qui est passé à la casserole. Quelle horreur. C'est ton pire jeu de mots, Antea. J'adore. Bonjour à vous, Jacob. Monsieur McRae's? Désolé, Jacob. Il faut qu'on parle. Il est arrivé quelque chose à Bénédicte. Quoi? Où est-il? Qu'est-ce qui s'est passé? Allons, allons, Jacob. S'il est arrivé malheur à Ben, dites-le-moi. Où est-il? Bénédicte souffre. Pour son bien, vous devez vous rappeler ce qui est arrivé. Souvenez-vous de ce que vous avez fait. Mais je... Non! Jamais je... Je ne pourrais pas lui faire de mal. Je l'aime. Jacob, regardez-moi.
n'ayez pas peur de vous souvenir. Maintenant, dites-moi ce qui s'est passé en haut de la falaise. J'étais fatigué. Épuisé. J'étais tiraillé par la faim. Elle me brûlait la gorge. Je pouvais plus penser à autre chose. On n'abandonne jamais. On laisse pas tomber. Oh, pourtant, je le voulais. Je voulais que tout s'arrête. Et vous avez mis fin à tout ça. Ça vous revient maintenant? Je l'ai trahi. J'ai abandonné Bénédicte. J'en avais tellement marre. Il n'arrêtait pas de me pousser à bout. Oh, on se disputait, j'étais perdu. Quand je l'ai vu par terre, sans vie, j'ai entendu des murmures. C'était lui ou moi. Lui ou moi. J'aurais pu mourir. J'aurais dû mourir. Je ne mérite que ça pour mes péchés. J'ai trahi Dieu. Et j'ai trahi mon ami. Je suis un monstre. Je ne mérite aucune pitié. Non. Tu n'es qu'un pécheur qui demande désespérément de l'aide. Nous avons tous les deux dû faire un choix, simple et terrible. Tuer ou mourir. Tu as simplement frappé le premier, et nous en sommes là maintenant. Me pardonneras-tu? Notre destin n'est plus entre nos mains désormais. Tu as raison. Bannisseur, faites votre travail. Si on veut que tu reviennes, si on effectue le rituel dont on a parlé, ça commence maintenant. Red. Si on commence à s'engager sur cette voie. Jacob est prêt à mourir. Les autres ne le seront pas. Nous mentirons. Nous recueillerons l'essence des vivants. J'en serai le seul responsable. Comme il l'a dit, nous devons faire un choix. Simple et terrible. Est-ce qu'on tue pour être de nouveau réunis? Ou est-ce qu'on se quitte à tout jamais? C'est maintenant qu'on le décide. Jacob Lind, vous pensez ne mériter aucune pitié. Mais vos souffrances doivent prendre fin. Vous avez assassiné votre ami, l'homme que vous appeliez frère. Vous vous êtes nourri de sa chair. Puis vous avez nié être coupable de sa mort et enchaîné son esprit à ce royaume. Ce qui est fait, est fait. Mais la vérité et votre mort serviront à apaiser sa souffrance. Il ne peut y avoir de demi-mesure. Et si le juste se sauve avec peine, que deviendront l'impie et le pécheur? Bénédicte, mon ami, pardonne-moi.
J'ai pris la vie d'un homme que j'aimais et j'ai mangé sa chair. Je n'ai que ce que je mérite. C'est fait. Tu peux te nourrir de son essence. Je crois que je vais avoir besoin de me reposer. Tu peux aller à l'intérieur. Fini les asticots. Ben a disparu pour de bon.